Coucou mes beautés, j'allais oublier de vous dire coucou. Bon, alors ce matin, j'ai reçu ma petite commande de chez Temu. Et là, j'étais en train de... Parce que là, j'ai descendu le pied de mon téléphone qui est dans mon coin scrap et je me suis dit, bah, peut-être qu'il faudra que j'en rachète un pour ici parce que l'autre, non, j'aime plus beaucoup. Et il y a un petit truc qui vient de se retirer. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est important. Non, je pense pas. Bon, on verra bien. Bon, allez, j'arrête de blablater. Je vous mets bien. Voilà. Comme ça. Voilà. Bon, alors, je regarde l'heure, bien sûr. Alors, donc, je l'ai reçu ce matin. Et je suis trop contente. Il y en aura une deuxième qui va arriver de commande. Voilà. Il y aura une deuxième commande. Voilà. Alors, je vous tourne. Oh, je vais vous tourner. Je vais vous tourner comme ça, vous verrez mieux. Hein? Non, ça va, ça n'a pas eu d'incidence, le petit truc du pied de téléphone. Non, ça n'a pas eu. Attendez, je m'installe bien. Hop, et hop. Alors, c'est parti. Didi. Oh, j'aurais pas dû l'ouvrir comme ça. Parce que vous savez que j'adore ouvrir mes petits cadeaux. C'est moi qui me passe une commande. Ah, bah, je me fais des petits cadeaux. Bah, écoutez, hein. Hein? Attendez, ah, voilà. Ah, c'est des petits cadeaux. Alors, j'ai chaud d'un coup, là. Alors, il y a du scrap, mais il n'y a pas que du scrap. Mais, hop, et voilà. Bon, allez, on va commencer. Je vais mettre, voilà, comme ça. Alors... C'est quoi? C'est des perles? Ah oui, des petites perles. Alors, ce sont des petites perles. Attends, attendez, je vais rallumer une lumière comme ça. Oh, je pense qu'on voit bien, mais bon, c'est au cas où, parce que j'ai pas envie de faire ma vidéo. Et après, ouais, voilà, c'est mieux. Hein, je pense que c'est mieux. Hein? Voilà. Alors là, ce sont des petites. Comment? Des petites perles, mais la différence. Attends. La différence avec les autres, ce que j'allais dire, mais qu'est-ce que je fais, moi, avec les perles, toujours commander des perles comme ça? Non, non, c'est que vous avez, bon, c'est tellement petit, vous avez le dos qui est plat, voyez? Mais, vous avez, non, mais vous ne pouvez pas voir. Vous avez donc, bah, tiens, allez là. Vous avez, voyez, c'est juste le dos qui est plat, et voilà. Donc, c'est super. Bon, c'est compliqué parce que c'est tellement petit, voyez? Voilà. Donc ça, vous en avez, il y en a combien? Alors, il y en a 500. Ce sont des 4 mm. Voilà, c'est ça. Et c'est couleur ivoire. Donc, vous voyez, toute petite, mais j'aime beaucoup, hein, sur des petites créas. Attendez, je vais remettre un petit bout de scotch parce qu'après, je vais monter dans mon atelier et je me connais. Je vais les faire tomber. Voilà, donc je vais le mettre ici. Voilà, comme ça. Voilà, je vais le mettre là. Après, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est super. Ah, ça c'est. Écoutez, je suis très contente. Je vous montre, je l'ouvre. C'est une petite chaîne pour les lunettes. Parce que. Vous allez rire. Mais je suis toujours en train de chercher les lunettes. Bien. Et la dernière fois, elles étaient au bout de mon nez. Hein? Au bout du nez, on va dire. Hein? On sait bien que c'est mon nez. Et je cherchais les lunettes. Ou non, mais elles étaient là. Ou alors des fois, je les mets comme ça, vous savez, carrément sur la tête. Et je les cherche. Donc là, regardez. Une petite chaîne. Vous voyez? Alors, au niveau de la longueur. Alors, elle est à 42. 42. Alors. 42, oh, ça fait à peu près 80 cm, quoi. Vous voyez, vous avez ici, je vais la mettre tout de suite, hein. Vous avez les petits embouts, voyez, hop, en plastique. Et après, vous voyez, c'est un genre de petit, un petit métal, quoi. Alors, attendez, je vais la mettre comme ça, au moins. Bon, j'en avais avant des petites chaînes comme ça, et puis après, bon, des fois, je les retirais, et puis, voilà. Vous voyez, comme ça, hop, vous voyez, hop, on la met comme ça, et regardez,
ça fait comme ça. Bon, je vous remontrerai tout à l'heure quand je vais vous reprendre. Hein. Bon, alors. Après, qu'est-ce que c'est? Alors, oui, ça. Alors, bon, comme je vous disais, hein, bon, moi, quand je commande, en général, ce sont des ventes flash. Des ventes flash, hein, vous avez sur la boutique des ventes flash ou tout ça, ou des fois, c'est moins d'un euro. Bon, enfin, voilà. Et automatiquement, les prix sont variables. Vous voyez? Attendez. Oh, n'importe quoi, j'entendais un bruit. Donc, vous voyez, c'est un petit tube. Bon, c'est bien. Hein, c'est un petit flacon de précision. Donc, et puis vraiment, le trou est tout petit, vous voyez. Voilà. J'aime beaucoup. Et en plus, après, vous pouvez le mettre ici, vous voyez. Ici, vous avez... Voilà. Pour le mettre... Comme ça, pour ne pas être ennuyé quand vous collez, au moins vous avez le petit bouchon, vous le replacez. Hein. Puis après, ben, on n'oublie pas de refermer parce que sinon après, après ça se bouche. Hein. Bon, ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ça? Alors ça, c'est... Ah oui, c'est pour les... Comment ça s'appelle? Bon, le nom, je ne sais pas. Vous savez, regardez, c'est ça. En fait, quand vous avez, par exemple, quand je mets un t-shirt, admettons, pour aller à la gym, vous savez, attendez, j'ai la poubelle en dessous. Quand je mets un t-shirt, vous savez, un peu échancré dans le dos, comme ça, bon, moi, je n'aime pas, hein, je n'aime pas qu'on voit les bretelles de soutien-gorge, ce qui fait qu'avec ça, vous voyez, ben, on clipse ici les deux bretelles, et au moins, ça vous fait le soutien-gorge un peu en forme trapèze, quoi, je veux dire, vous voyez. Donc, on en a un blanc, un couleur ivoire. Non, ça, c'est transparent plutôt. Transparent, ivoire, vous voyez, blanc et noir. Voilà, donc, je trouve que c'est pratique. Alors, c'est une petite grandeur qui fait 5 cm de large. Voilà, 5 cm de large, vous voyez. Donc, c'est un petit... Bon, on va dire un petit gadget, mais bon, pratique. Alors, ici, c'est de la petite dentelle. Bon, vous savez qu'en général, quand je tombe sur une petite offre avec de la dentelle, bon, il y en a parfois, je ne prends pas parce que c'est toujours la même. Voilà, celle-ci, ah, je la trouve super jolie, regardez. Oui. Alors, bon, normalement, c'est un mètre. Hein. Normalement, c'est un mètre, hein, ouais. 42, 80, ouais, c'est un mètre. Et la largeur, alors la largeur, on est à 5 cm. Je vous montre quand même bien le motif. Allez, hop. Vous voyez, le petit motif, il est vraiment sympa. Hein. Mmh. Puis moi, je l'ai à dentelle. La dentelle, j'adore, hein, j'en utilise beaucoup. Bon, après, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est bien ça. Bon, la boîte, elle a un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Alors, ça, quand je fais... Alors, faut que je teste avant, hein, voir un petit peu, voir ce que ça va donner. C'est un support de téléphone pour mettre sur un vélo, voyez. Alors, quand... normalement, on peut le mettre à la verticale ou à l'horizontale. Faudra que je teste. Parce que quand je fais des fois des petits vlogs sur ma... Vous voyez, ça se met comme ça, faut voir. Quand je fais des petits vlogs sur ma chaîne secondaire, admettons quand je suis en vélo, tout ça, bon, pour l'instant, je vais la garder la boîte pour voir un petit peu. Faut voir. Faut voir ce que ça va donner sur le vélo. Je ne sais pas. Parce que regardez. Vous voyez, ça se met comme ça. Donc, bon, là, je ne peux pas vous montrer, bien sûr. Vous voyez, c'est... C'est du plastique, hein, donc on met le téléphone, ici ça s'agrippe, vous voyez, comme ça, et là ici on va clipser sur le vélo. Bon, à voir, parce que il faut pas, admettons que le téléphone soit trop bas, par rapport, si je veux faire un vlog et on voit simplement, vous savez qu'on va voir carrément le téléphone est bas et qu'on va voir mes pieds ou la roue, je vois pas l'intérêt, donc je vais vraiment tester, vous voyez. Bon, j'espère, vraiment j'espère, hein, parce que, voilà, comme ça, ça permettra, quand je fais des petits vlogs à vélo, de pouvoir, voilà, de pouvoir faire des petites vidéos, hein. Alors, ça, bon, je vous dis quand même la grandeur. Alors, ici, là, on est à 12.
12 cm de long. Hein. Voilà. Je vais le laisser là. Alors, ensuite... Ah ouais, alors là, ici, je me suis dit, waouh. Écoutez, c'est un pantalon. Je l'ai payé, ça, je me souviens, parce que j'ai vraiment... j'ai, oh, quand j'ai vu le prix, j'ai dit, non, 1,75 €. Oui. Il y a du papier dedans, ouais. Regardez. Bon, écoutez, il est sympa, hein, franchement. Avec, ici, vous avez, regardez, pour, vous voyez, tout autour de la taille. Là, on fait un petit nœud. Il est large dans le bord. Mais j'aime beaucoup, voyez, avec une petite paire de baskets. Il est blanc, le fond est blanc, donc, enfin, ouais. Donc, on va le mettre comme ça. Blanc, avec un t-shirt blanc ou un t-shirt noir. Enfin, bref, j'aime beaucoup les rayures, hein, j'aime beaucoup les rayures. Et je me suis dit vraiment, pour le prix, là, je ne vais pas m'en passer. Hein. Non, non. Donc, voilà. Alors, la taille, moi, j'ai pris un XL. XL. Je préfère que ce soit même un petit peu plus large, vous voyez, que trop serré, quoi, parce que ça se porte fluide, en fait. Hein. Donc, vraiment, ouais, super contente. Ouais. Ouais, je suis en train de vous dire un XL, ça, au niveau de la longueur, hein, des jambes. Alors, ici, 42. Alors, enfin, sur le site, à mon avis, que ça fait 84. 94, 95, 96, 97, 98, ou ouais, à peu près 98 cm de long. Hein. Mais normalement, dans la boutique, c'est marqué. Moi, ouais, je suis très très contente avec le pantalon. Franchement, voilà. Bon, super. Alors, ah oh là là, là là, là là, là là. Attends, je regarde là. Non, c'est bon. Oh, non, mais là, vous le savez, je vous l'ai dit la dernière fois. Hein, quand je vous avais fait un petit haul, j'avais acheté des petites manchettes, je ne sais pas si vous vous rappelez, en dentelle. Et j'ai dit, oh là là, j'adore. Je vais m'en recommander. Alors, regardez celle-ci. Attends, qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce que je peux vous dire? Il n'y a rien de... non, bah, il n'y a rien de spécial. Regardez. Alors, la grandeur, on est à 23 cm. 23 cm de long. Alors, bon, bien sûr, là, j'ai les... Comment dire? J'ai mes bracelets, vous voyez? Mais regardez. Regardez le rendu. Moi, j'adore, hein? J'adore. J'adore, j'adore. Ah, bien sûr, là, je suis... Hein? Comme je vous dis, avec le pull, ça c'est un pull de sport, ce soir je vais à la danse, bon voilà, vous voyez, j'aime beaucoup, ici on a un petit, il y a un petit froufrou là, ça fait tulle, ouais c'est du tulle, ici un petit peu de dentelle, et puis, moi j'adore, ah ouais j'adore, et je vous avais dit hein, que j'allais en racheter, donc j'en ai racheté, bon aussi un petit fil, c'est pas grave, on le coupe, hein, voilà, celui-ci, hop, voilà, donc une petite paire de, on va dire de manchettes. Hein. Alors ça c'est pour mes petits, alors ça c'est pour mes petits enfants. Je leur ai dit tout à l'heure qu'ils vont pouvoir l'utiliser, mais bon, je voulais faire la vidéo avant. Alors mon petit-fils, j'ai choisi ça. Alors, voici Waterbook. Voyez, alors, j'ai déjà acheté des livres comme ça à Noz. C'est génial parce que bah, on le fait à l'infini, quoi. Vous voyez, donc, il suffit de mettre... oui, on met un petit peu d'eau. Voilà, vous voyez, on dévisse. Attends. Voilà. On met un petit peu d'eau à l'intérieur. Vous voyez, hop. Hop. Là. Il y a un petit peu d'eau. Et hop, on dessine. Et après, ben voilà, on efface et puis voilà. On peut dessiner, dessiner, dessiner tout le temps comme ça. Donc, vous voyez.
Donc lui, je lui ai pris le thème avec le marin, quoi, le thème avec les poissons. Hein. Voilà. Donc celui-ci, oui. Là. Pour mon petit-fils. Alors, je vais le mettre là. Et pour ma petite-fille, j'ai pris celui-ci. Enfin, je vais le remettre dans le. Je vais quand même le remettre. Voilà. Comme ça, ils vont être contents. Et donc je disais celui-ci pour ma petite fille. Je ne sais plus, c'est pas des. Je crois que c'est des fleurs. Ah non, c'est des princesses. Non, non. J'ai cru que c'était des fleurs, mais non, c'est des princesses. Voilà. Donc vous voyez. Voilà, on a le petit crayon, pareil. Et puis. Voilà, vous voyez. Voilà, puis après, ben. Voilà. Donc, ça va assez bien. Voilà. Alors, après. Ah oui, alors ça, j'ai pris ça. Ça, j'avais pris pour mon père, ça. C'est bizarre qu'il n'y en ait qu'un. Ouais. Parce que faut voir comment je vais l'attacher. Parce que vous savez, il a un blouson. Et à chaque fois, il n'arrive pas à remonter la fermeture. Comment? Parce que la fermeture est un petit. Le petit truc, le petit haut de la fermeture éclair est cassé. Et du coup, je suis tombée sur ça, sur la boutique. Enfin, pareil, en vente flash. J'ai dit, ah tiens, j'ai pensé direct à mon père. Je dis, tiens, et au moins, ça sera plus facile, vous voyez, pour remonter la fermeture éclair. Donc voilà, à voir. Hein. C'est bizarre, il était là comme ça, tout seul, le truc. Ah non, ça a dû être ouvert, ça. Ah oui, le sac est ouvert. Ah oui, d'accord. Ok. Donc il y en a trois en fait. C'est bien ce qui me semblait, parce que là, il se promène tout seul. Donc vous voyez, vous en avez un couleur un peu gris, couleur or, et puis couleur argentée, quoi. Hein? Ouais, il a dû s'ouvrir, je ne sais pas. Je vais vous dire quand même la grandeur. Hein? La longueur, pardon. On est à 4. Non, 3 cm à peu près. Tu peux plus que 3 cm 5. Tu peux plus. Hein? Bien 3 cm 8. C'est pas marqué. Non, voilà. Donc 3, un petit lot de fermoir. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pris ça. Ça, j'avais dit déjà qu'il fallait qu'on teste ensemble. On va tester, on va tester. Parce que j'en avais déjà acheté du. Voilà, j'adore la couleur. Et regardez. J'en avais déjà acheté, je crois que c'était du gris argenté, je crois. Et là, j'ai vu cette couleur, hein, couleur rose. Et je me suis demandé justement pour rembosser à chaud, qu'est-ce que ça peut donner? Ou alors, éventuellement, sur, comme je vous avais dit, mais là, vraiment, je n'ai pas encore testé. Ou alors, par exemple, vous savez, quand on fait des petits moulages, si on met un petit peu de glossy et qu'on passe un peu, je ne sais pas, à voir, à voir. Mais bon, la couleur, c'est vrai qu'elle est super jolie. Mais normalement, ça, c'est réservé pour la résine. Ça me revient. C'est pour la résine, en fait. Mais je me suis dit, des fois, on peut détourner un petit peu le produit, quoi. Hein. Voir si ça fonctionne, bien sûr. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pris ça ici, du double face, qui est rouge. Alors. Je vais voir comme ça parce que. Je regarde l'heure parce qu'après j'ai rendez-vous chez le gynécologue pour ma thyroïde. Et même là, il est collant, par contre, vous voyez, ça c'est un petit peu, c'est un peu embêtant, ça. Ouais, ça c'est un peu embêtant. Ouais. Bon, c'est du double face. Attendez. Alors, au niveau, c'est du. Oh là là. C'est du 0,5, ça. Ouais, 0,5. Bon, ce qu'il faut absolument, c'est qu'il colle bien. Hein, c'est ça. Enfin, il a l'air, je ne sais pas. Hein.
Alors, je cherche le bout. Normalement, c'est du double face, hein. Ouais. Bon, j'arrive pas à retirer la petite pellicule. Ah bah si. Si, si, regardez. Alors, à voir. À voir, à voir. J'ai pas un petit. Attendez. On va faire juste un. Enfin, un petit essai. Je regarde si j'ai pas un petit morceau de papier là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Un petit bout de papier. Allez, hop. Il est. Par contre, il m'a l'air quand même assez épais, je trouve. Vous voyez, j'ai mis mon double face. Bon, là, c'est vraiment un test parce que. Écoutez, ça a l'air de bien coller, hein. Franchement, ça a l'air de bien coller. Ouais. Puis alors, ce qui est surprenant, c'est comment dire, maintenant à voir hein, sur un petit morceau de papier comme ça, on ne peut pas trop se rendre compte. Mais alors, le truc qui est fou, c'est que ici, vous voyez, c'est collant. Hein. Je vous assure, c'est collant. Ici, pareil, des deux côtés, c'est collant. Vous voyez? Bon. Alors, on va le mettre. Je vais peut-être le remettre. Oh, attendez. Bon, je vais bien retrouver le petit papier. Est-ce que j'ai jeté le paquet? Le pa petit papier, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est du. Ah, là, je trouve juste trop, trop beau. C'est du washi tape. Hein. Juste magnifique. Hein. Voilà. Ah, ouais, trop, trop beau, là. Ah, il est trop, trop beau. Regardez, je vais vous montrer. Hein. C'est mis dans un petit, une petite boîte, ça. Oh, il est superbe. Waouh, 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 waouh. Vous savez, ça fait les petites poupées là. Ah, j'adore. Il y en a combien? 2 mètres. 37,5 mm et 2 mètres. Regardez. Ah, il est sublime, vraiment sublime. Non, je vous dis des bêtises. C'est pas du washi, regardez. Bon, je peux pas trop dérouler, mais non, 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 attendez, attendez, attendez. Ça fait, je pense, genre, il doit avoir une petite pellicule, là, ça fait genre stickers un peu. Normalement, ça doit se décoller, hein. Ouais, ça fait genre stickers en fait. Il est ah ouais, vraiment sublime, hein. Vraiment sublime. Ouais. Bah, elle est super contente. Ouais. J'adore. J'adore. Je vais remettre le petit bout de scotch là parce que sinon, hop. Voilà. Celui-ci. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore? Bah, c'est. Je regarde. Non, mais on sait jamais, hein. Tu aurais encore un petit cadeau, hein. Et j'ai pris deux lames de massicot. Écoutez, à voir, hein. Elles étaient pas chères. En plus, c'est pas mal. Il y a la petite boîte avec. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils disent? Deux pièces? Non, bah. Alors.
C'est les basiques, enfin les basiques, vous savez, même celles que vous avez sur les massicots. Comment? Attendez, ça, je suis en train de. Non, bon, je n'ai pas besoin du. Les oranges, comme ça, je pense. Massicots Action. Alors, je vais essayer de tester celle-ci. Hop. Hop là. Hop et hop, hop, hop. Attendez parce que. Ah ben j'ai l'impression que. Ben non, ça se retire pas ça. Attendez. À moins que c'est peut-être une petite. J'en ai pas un autre. Ben non, normalement. Ouais, ça se retire, ça en fait. Ah, ça se retire. Ça se retire, ben oui. C'est pour ça que j'arrive pas à le mettre. Mais moi, tout ce qui est manipulé, des cutters, des trucs et des bidules, je suis pas. C'est pas trop mon truc, ça. Hein. J'ai toujours peur de me couper. Et si je me coupe, sérieusement, hein. Je vais hurler, hein. Je vais hurler, moi je vous le dis. Ah ouais, moi j'ai la phobie de me couper, c'est un truc de dingue ça. Bon, bah écoutez, je suis désolée, mais je vais pas. Bon, normalement, ça se retire le truc, hein. Celui-ci, pareil, on peut, il est plus facile ou non? Bon, bah écoutez, moi je ne teste pas. Je regarderai comme ça. Hein, et puis je vous montrerai ici là. Oui, normalement, il doit se retirer le truc. Et puis de toute façon, je l'essaierai sur mon. Celui à l'étage. Attendez, je vous reprends. Oh, le truc qui colle. Je vous jure, le truc qui colle. Bon, attendez, je vous remonte. Hop, 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 voilà, voilà. Hop, voilà. Oh, la tête. Non, mais la tête. Le truc, il colle sur le bureau. Bon, bah écoutez, donc ça, il faudra que je pense. Enfin, c'est pas que je pense. Ça, je vais vraiment le ça, j'ai hâte de le tester dès que je fais du vélo. Et puis, les lames de massicot. Faut pas que j'oublie, hein. Faut pas que j'oublie. De vous dire ce que j'en pense. Ben, c'est pas grave, si j'oublie dans une vidéo, vous me direz, Nathalie, alors les lames de massicot, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Hein. Bon, ben, écoutez, ouais, là, je vais y aller, hein, tout doucement, je vais me préparer. Moi, j'espère. Oh, j'allais faire ça, je dis, ben non, ils sont. Oui, regardez la petite chaîne, vous voyez, je mets comme ça. Oh. Vous aviez aussi en couleur dorée, hein, il y a plusieurs, vous voyez. Oh. Voilà. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, j'espère que ce petit moment de partage vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Des fois, j'ai remarqué que des fois, vous me le dites, donc je le mets sous ma vidéo, le lien d'un article. N'hésitez pas, s'il y a un article, vous dites, ah bah tiens Nathalie, tu peux mettre le lien. Bah moi, je le mettrai carrément sous ma vidéo, comme ça, bah tout le monde... en profiter, hein, voilà. Et puis, ben moi, je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous fais des énormes, gros, gros bisous.